On se retrouve pour les étirements. Dandasana, qui est une posture où on s'aligne d'égalité, le dos est aligné, la taille s'étire, on a l'ancrage des fesses dans le sol, bien sentir les ischions dans le sol, sommet du crâne vers le ciel. Posture de la table inversée, on place les mains, les doigts vers les pieds et puis on va remonter tout doucement le bassin, former une ligne. Si c'est trop difficile, vous pouvez très bien plier vos genoux et relever dans la table. Donc je vous montre de profil ce que ça donne. Inspirez, expirez la nuque longue, ne creusez pas la nuque, gardez bien l'alignement et redescendez tout doucement. Pour allonger vos jambes, s'étirer, posture de la pince, on va aller chercher loin vers l'avant et si vous pouvez, vous attrapez vos orteils. Sinon, vous attrapez vos chevilles, c'est très bien aussi. Le dos est long, étiré. Donc je vous montre de profil. Ici, votre dos doit être bien, bien droit. Surtout pas ici. Étiré, comme si le nombril allait en direction des cuisses. Je cherche un alignement, un étirement de ma colonne vertébrale. Inspirez, expirez, on reste dans la posture, 5 respirations complètes. Donc si vous pouvez par le nez, c'est très bien. Faites évoluer la posture, peut-être on va étirer un petit peu plus le dos, peut-être que c'est les bras qui vont s'étirer davantage. Faites vivre votre posture. Sortir de la posture pour revenir dans l'asana, posture d'alignement. On va amener un pied en direction du pubis, sentir bien les fesses ancrées dans le sol, inspirer, Janursirsasana, posture d'étirement, on attrape ou les pieds, ou les chevilles, ou avec une sangle, on peut très bien attraper son pied. Donc je vous montre mon dos. Toujours bien droit le dos, toujours bien aligné, comme si mon nombril allait en direction de ma cuisse. Faites évoluer la posture. Puis si ça va, toujours avec l'étirement du dos, relâchez bien. Rentrez encore plus dans l'étirement. L'étirement se fait grâce à la respiration. Plus vous respirez, plus votre étirement va être accentué, plus vous allez vous détendre. Sortir de la posture. Pour placer sa jambe par-dessus l'autre, bien sentir les fesses ancrées dans le sol, attraper votre genou pour la torsion assise, redresser la colonne, puis pivoter tout doucement la colonne, sentir bien le dos s'auto-grandir, s'étirer, et regarder par-dessus votre épaule.
Sentir la torsion, l'auto-grandissement. Sortir de la posture, revenir bas du dos, milieu du dos, haut du dos et revenir dans l'alignement. On va faire de l'autre côté. Janur Sirsasana. Inspirez. Expirez. 5 grandes respirations complètes. Vivre la posture. La faire évoluer. Sortir de la posture pour la torsion par-dessus la jambe. Rapprochez bien votre genou contre la poitrine. Très important, l'ancrage des ischions dans le sol. L'auto-grandissement. Pivotez tout doucement. D'abord le bas du dos. Se grandir. Le milieu du dos. Se grandir. Et le haut du dos. Revenir. La nuque, les épaules, le milieu du dos, le bas du dos. Allongez vos deux jambes. Pour la posture du cordonnier, les pieds sont vers le pubis, bien ensemble. Et puis on peut mettre les mains au niveau de vos pieds. Et puis ouvrir un peu votre voûte plantaire comme si vous ouvriez un livre. Relâchez bien les coudes. Mon dos est bien étiré, le bas du dos bien étiré. Ouvrez votre dos. On reste dans toutes les postures, 5 respirations. J'aime bien masser mon pied dans cette posture. Je profite d'avoir les mains au niveau des pieds pour bien masser mes pieds. Ou simplement malaxer. Ou ouvrir comme un livre ma voûte plantaire. L'écart facial, on ouvre bien les jambes. Et puis, on va attraper les orteils, comme dans une pince. Ici, mon dos est toujours bien plat, ça c'est la base. Poussez le nombril en direction du sol, la nuque longue. Si c'est trop difficile, mettez les mains derrière, c'est une bonne option. Ça va permettre à votre dos de vous étirer davantage. Mais on sent quand même l'étirement. Il y est toujours. Moi, je suis assez souple, donc j'attrape mes orteils.